l'utilisation de l'aspect formel dans l'évaluation de la qualité a un poids. Des résultats. Dans le présent travail, nous présentons deux approches formelles permettant d'évaluer la qualité logicielle à travers un modèle. L'approche CATCH présentée par Siavas et Roll, en plus d'approches que nous avons proposées dans Ousama et Ali. Ce travail est dans le cadre d'une comparaison théorique de deux techniques existantes destinées à l'évaluation de la qualité de la conception orientée objet. L'approche CATCH applique l'analyse statique benchmark afin de générer des modèles de qualité logiciels adaptés aux spécifications en utilisant la prise de décision des critères lourds dans le but de modéliser l'incertitude. Les caractéristiques essentielles de l'approche CATCH présentées en figure 2 sont l'adoption du benchmarking et l'analyse statique pour la dérivation des seuils. L'automatisation, et l'ajout de l'objectivité au processus d'évaluation de qualité, la simplicité des modèles de qualité dérivés au CATCH, l'adoption d'une technique de prise de décision multicritère nous améliorer pour avoir des poids et modéliser l'incertitude imposée par des jugements humains. La démarche de notre proposition en figure 3 commence d'abord à extraire des métriques conception orientée objet à partir du code source du système logiciel en entrée, puis calculer les attributs de qualité considérés. Ensuite vient l'étape de modélisation sous forme d'automate probabilité. Choisissent selon une liste de propriétés en logique
emploi. Pour une remise en cause de la ségrégation est tout à fait possible dans notre démarche. Enfin, les résultats obtenus sont interprétés par la loi. Nous remarquons que les deux approches traitent la même probabilité. En ce qui concerne l'absence de définition claire concernant l'évaluation de la qualité à travers le mapping de mesures écrites de la conception métodologique aux caractéristiques attribuées de qualité en se basant sur leur liaison et en relation avec les propriétés de qualité. Dans le tableau 1, nous comparons la méthodologie de la conception du modèle de qualité par deux approches formelles différentes ayant en fait la même architecture du modèle. On figure 1. Nous constatons aussi que le choix Thank you.